Les femmes, elles sont dans le monde des médias au grand complet pour célébrer la Journée internationale de la femme 2018. Au cours de cette soirée spéciale à elles, dédiée par ABED ONG, Association béninoise pour l'éveil et le développement, elles sont invitées à transformer et à favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les domaines. Le thème de cette année intitulé « Féminisme, tant qu'il le faudra », interpelle toute la communauté nationale et internationale à agir afin de favoriser son autonomisation dans tous les contextes. Des voix influentes doivent porter pour que des décisions adéquates soient prises en faveur des femmes à handicap pour leur insertion dans le monde actif. Nous devons aussi donner un gros bain à toutes ces femmes qui matin et soir se lèvent, se battent sous le soleil, sous la pluie pour nous donner de l'information. À tour de rôle, certaines femmes ont évoqué les difficultés que rencontre la gente féminine à s'insérer sur le marché de l'emploi et surtout à exercer les métiers relatifs à leur formation de base. Les femmes des milieux ruraux, elles sont laissées pour compte. Mais je vous assure que rentrer dans un village aujourd'hui, les personnes qui entreprennent, ce sont les femmes. Une femme qui va en reportage, qui revient faire le montage elle-même, qui présente ses complexes. ABED ONG a pour objectif la promotion de la femme béninoise. Nous devons créer un soutien pour l'activisme politique des femmes et un cadre élargi pour la femme au sein de la société civile. L'Association béninoise pour l'éveil et le développement annonce au détour de ce dîner de gala, riche en couleurs mais aussi en échanges, la tenue prochaine d'une journée de salubrité à Flakodji.